Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez très bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je viens aujourd'hui vous montrer une application très intéressante qui vous permettra de répondre automatiquement aux messages WhatsApp. Par exemple, vous êtes en train de travailler ou vous êtes en train de conduire et vous savez que vous allez recevoir des messages. Donc, vous activez la messagerie automatique et dès que quelqu'un en ce moment vous écrit, votre téléphone l'envoie automatiquement un message pour lui dire que vous êtes occupé. Voilà. Donc, avant de commencer, j'aimerais demander à ceux qui sont là pour la première fois sur ma chaîne de s'abonner pour ne pas rater mes prochaines vidéos. D'abord, nous allons télécharger une application. Vous allez sur Play Store, puis vous cherchez What's Auto. What's Auto. Voilà, c'est cette application-là. Après, je vais mettre le lien dans la description de la vidéo. Vous l'installez. Puis vous l'ouvrez. Dès que vous ouvrez l'application, ça sera comme ça. Donc, vous allez devoir cocher là. Ensuite, l'application va vous envoyer sur cette partie que vous devez encore activer WhatsApp. What's Auto, pardon. Donc, vous activez What's Auto et vous faites autoriser. Ensuite, vous faites arrière et c'est tout. Voilà. Là, vous allez voir ces différents messages qui sont déjà là. Je suis occupé, texto plus tard. Je conduis, texto plus tard. Je dors, texto plus tard. Donc, tous ces messages, par exemple, avant de prendre la route, vous pouvez cliquer sur ce message-là. Je conduis texto plus tard. Dès que vous cliquez sur ce message, vous voyez là en haut, le message vient là. Donc ça veut dire que dès que quelqu'un vous écrit en ce moment, le téléphone l'envoie directement ce message pour lui dire que vous êtes en train de conduire. Et vous pouvez aussi modifier le message. Par exemple, vous cliquez là. Puis vous cliquez encore sur le vide pour modifier le message. Donc, je mets par exemple, je conduis, je te réponds après. Puis vous cliquez là pour confirmer. Voilà, je conduis, je te réponds après. Et il y a aussi cette option-là, contact. Quand vous cliquez là, vous allez choisir à qui vous voulez répondre automatiquement. Par exemple, si vous mettez vous couchez là, toutes les personnes, ça veut dire que toute personne qui vous écrit le message automatique ira sur toutes les personnes. Voilà. Il y a aussi ma liste de contacts. Si vous cliquez là, vous choisissez votre liste de contacts. Ça veut dire que les messages automatiques iront seulement à ceux qui sont dans vos contacts. Voilà. Donc, on met toutes les personnes. Voilà. Donc là, toute personne qui vous écrit sur WhatsApp, vous lui répondez automatiquement. Mais si vous êtes sûr que vous êtes là, vous pouvez écrire, répondre au message, vous n'avez pas besoin de cocher ça. Donc, vous décochez. Sinon, chaque fois
que vous recevez un message, votre téléphone va répondre automatiquement. Donc, vous décochez ça quand vous êtes libre et quand vous êtes occupé, vous cochez. Voilà. Et vous choisissez le message dont vous voulez répondre automatiquement. Ok, là, je vais vous montrer un exemple. Quelqu'un m'écrit par exemple « Bonjour ». Vous voyez, j'ai reçu un message. Et quand vous cliquez, vous allez voir que votre message, votre téléphone a déjà répondu à la personne. Réponse automatique, je conduis, je te réponds après. Et la personne reçoit ce message-là. C'est tout, à la prochaine, bye bye.